Et bonjour à tous, tout le monde se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce. Alors, comment avoir la nouvelle version d'Ursa King, donc, qui est sortie avec le DLC numéro 1 d'Écarlate Violet. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, premièrement, une fois que vous avez commencé votre DLC, il faut avancer quand même un tout petit peu dans le DLC avant que cette quête soit débloquée. Une fois que vous avez avancé un tout petit peu dans le DLC, vous verrez à un moment donné une meuf qui apparaît ici avec un appareil photo. Donc, vous êtes là-bas au centre Pokémon, vous venez juste ici, elle sera ici. Vous lui parlez une première fois. Voilà, elle va vous parler, elle va parler de photos, etc. etc. Je pense qu'elle vous donne même une perche ou un truc comme ça, je sais plus. Et ensuite, elle vous dit, une fois que tu auras capturé 150 Pokémon de la région de Septentria, j'aurai une quête pour toi, etc. etc. J'aurai besoin de toi pour une quête. Donc là, voilà, j'ai les 156, j'ai plus de 150 Pokémon attrapés dans la région de Septentria. Faut savoir qu'il y en a 200. Mais c'est assez facile, hein, parce que vous aurez normalement de base, si vous avez joué au jeu. Normal, hein, au jeu complet, Écarlate ou Violet, vous avez déjà dû sûrement capturer pas mal de Pokémon. Ça vous remplira déjà une grosse partie. Et si vous avez accès à votre Pokémon Home avec des Pokémon dedans, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai transféré tous mes Pokémon du Pokémon Home vers ici. Et voilà, je suis arrivé aux 150 Pokémon en 2 minutes chrono. Et j'ai pu débloquer la quête. Une fois que la quête est débloquée, vous lui parlez, vous l'affrontez. Je pense à la deux vieux Pokémon de merde qui ne servent à rien. Et ensuite, elle vous demande si vous voulez bien l'aider pour la quête. Une fois que c'est fait, normalement, vous aurez un point qui va apparaître ici. Voilà, vous venez là. Et tout simplement, vous faites la quête normale, quoi. Vous tout simplement faites la quête normale jusqu'à... Et à la fin de la quête, vous tomberez sur l'Ursa King et vous pourrez le capturer. Donc ça sera plus ou moins un combat de boss, plus ou moins. Comme dans Légende Arceus en fait. Ce sera un combat dans ce délire là, tu vois. Donc vous allez là. Hop. Je vais faire le chemin, on se retrouve là-bas. Voilà, une fois que vous êtes arrivé ici, vous lui parlez, elle monte la tente, elle vous dit voilà, j'ai besoin de trouver le Pokémon, mais il apparaît que dans le noir, avec de la brume, etc. Donc vous devez faire une petite quête pour elle le temps. Que tout ça se mette en place. Donc vous devez prendre en photo, je pense, 10 Pokémon. Et une fois que c'est fait, et ben normalement, le Pokémon apparaîtra. Donc je vais vous épargner ça, je vais le faire de mon côté. Je vais vous skip, je vais prendre les Pokémon en photo. Et ensuite, on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà les mecs, on se retrouve ici. J'ai fini de prendre les 10 Pokémon en photo. Donc une fois que vous avez fini de jouer à Pokémon Snap, automatiquement, vous allez revenir vers la meuf. Et je pense que c'est là que tout va se dérouler. Pour pouvoir capturer ce nouveau Pokémon qui est vraiment stylé. Franchement, je le trouve super stylé, le nouveau Ursa King. Et voilà les gars, une fois que tout ce putain de dialogue est passé, parce qu'il y a quand même pas mal de dialogues, voilà, le moment fatidique arrive où on pourra capturer la nouvelle forme d'Ursa King. Hein. Forme lune vermeille. Regardez comment elle est stylée les gars. Ah, elle est stylée. Hein. Il a l'air bien explosé, tu vois. Ça se voit qu'il se bat, lui. Voilà, les gars. Donc vous devrez le battre comme un espèce de boss. Hein. C'est comme une espèce de boss. Vous devrez le défoncer. Et à la fin, vous pourrez le capturer. Vous pourrez le capturer tranquillement. Donc là, on va commencer. Hein. Et voilà les gars, normalement là on va le finir bien comme il faut. Il suffit que vous ayez un bon Pokémon niveau 100 et ça devrait le faire. Hein. Il est je pense normal sol, donc attaque haut au combat. Vous êtes tranquille au glace aussi. Il est affaibli, profitez-en pour le capturer. Bah, c'est ce qu'on va faire, c'est exactement ce qu'on va faire. Il est vraiment stylé ce Pokémon. Hein. Alors là il faut choisir la Pokéball qu'il faut les gars. Là il faut choisir la bonne Pokéball parce que... Là normalement, théoriquement il rentre dans n'importe quoi tu vois. J'ai bien envie de lui donner une de ces Pokéballs là, hein, tu vois. Bah, tu sais quoi, on va lui mettre ça. Pokémon spécial, Pokéball spécial, les mecs. Hein. Speedball, je vois plus ça pour un Pokémon électrique, tu vois. Allez, let's go niveau ball. Lui, on va le mettre strat direct. Hein. En plus, je l'ai fait une coach critique direct. Et voilà les mecs, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. C'est comme ça que vous pourrez avoir
l'Ursa King Lune Vermeille dans le nouveau. Il faut le DLC, hein, il faut le DLC pour l'avoir. Si vous n'avez pas le DLC, vous n'avez pas acheté le DLC, vous ne pourrez pas l'avoir, bien entendu. Donc voilà, merci à tous, c'était Lucas RT. Bye.